Et donc salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va putain de bien. Je suis rentré ce soir des cours, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ça. Putain, ça c'est une putain de bonne nouvelle les amis, c'est la meilleure nouvelle de ces 3 derniers mois dans le monde du Farming Simulator. L'annonce officielle qu'il y aura bien un Farming Simulator 2017, fin 2016. Et oui, en effet les amis, comme vous pouvez le constater, cette nouvelle est vraiment très importante pour nous fans de Farming Simulator. C'est l'annonce de Farming Simulator 2017, et aussi, oui, ça confirme que Farming Simulator 17 ne sera pas bleu, mais vert. Mais bon, bref, ça n'a aucun sens, c'est pareil, et j'étais pas loin de Dogo. Bref, revenons-en aux nouvelles. On peut voir sur cette image un fond américain, mais ça je pense que c'est un peu comme ils avaient fait avec Farming 15, c'est un fond d'accroche qui sera le logo du jeu, la bannière pour Farming Simulator. Mais qui aura pas forcément à voir avec le jeu, hein. La bannière de Farming Simulator 15 n'a pas forcément grand chose à voir avec le jeu à part la licence. Et c'est là que j'arrive, parce qu'ils ont mis aussi une deuxième photo très très importante. La photo était postée sur Twitter où ils ont annoncé que le jeu sortirait fin 2016. Et sur cette photo, on peut apercevoir un jeu beaucoup plus beau. Je sais pas, à mon avis c'est pas leur nouveau moteur graphique. Il a été sûrement poussé, mais c'est pas leur nouveau moteur graphique. Il ressemble vraiment beaucoup au 15, même si bon, on voit des améliorations graphiques. On voit en fond des arbres beaucoup plus modélisés. Ensuite on voit une nouvelle culture, le tournesol, ça c'est vraiment ouf. Mais si seulement c'était que ça, là vous êtes en train de dire, mais putain mais il y a le Massey Ferguson, mais qu'est-ce que tu racontes depuis le début, on s'en bat les couilles de tes tournesols. Oui, oui, le Massey Ferguson, ce qui prouve qu'ils ont vraiment envie d'exploiter leur licence AGCO qu'ils ont négocié avec AGCO. Et ça, ça fait plaisir du coup de voir du nouveau tracteur. Comme ça, on aura sûrement encore New Holland CAS, les deux CNH, le groupe CNH qui était vraiment présent sur le 15, en compagnie de Dutz Lamborghini, Hurleyman, etc. Tout ce beau monde. Mais en plus, du Massey Ferguson. Et pourquoi pas, ça me ferait extrêmement plaisir, du Fendt. Mais là, pour le moment, on n'a pas de confirmation là-dessus. La seule configuration qu'on a, c'est qu'ils ont le groupe AGCO et qu'ils comptent l'utiliser, en tout cas, via la filière Massey Ferguson. Donc là, on voit un magnifique 8737 qui a l'air vraiment, vraiment très bien modélisé. Et ça, franchement, ça fait très plaisir. Et pour finir, bon, je sais, c'est un peu léger comme affirmation, mais bon, j'avais vraiment envie de vous mettre au courant que c'était sûr que vous l'auriez, votre Farming Simulator 2017, en fin 2016, parce qu'il y avait des rumeurs, et bon, comme quoi, ça prouve que c'était que des rumeurs, et qu'il y aurait vraiment le groupe AGCO et vraiment un jeu en fin 2016. En même temps, ça m'aurait étonné de Giant et de Focus. Tiens, on va pas se faire de l'argent cette fin d'année. Oui, ça m'aurait étonné d'eux, mais bon, ils l'ont fait, et ça, putain, ça fait plaisir. Pour officialiser la chose, je vous mets un lien dans la description, focusfile.com. Donc c'est officiel, hein, ça a été signé par le vice-président de Giant Software, c'est Thomas Frey, qui nous annonce très brièvement, je vous traduis ça de l'anglais, oui, on est toujours sur farming, de l'anglais très brièvement. Il parle qu'il y aura bientôt une conférence de presse pour donner plus d'informations sur ce Farming Simulator 2017. À mon avis, ça sera très privé, il faudra regarder d'autres sites que les sites officiels de Farming Simulator, il faudra regarder ça sur des sites de jeux vidéo professionnels et pas forcément français, parce que c'est pas très bien vu Farming Simulator en France par la communauté jeuxvideo.com, etc. Mais sur d'autres sites internet, franchement, il faudra vraiment rester au courant. Peut-être sur le site de Focus, il y aura des informations. Et là, on voit qu'il confirme qu'il aura sur PC et console en même temps. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui jouent sur PS3, PS4 et Xbox One. PS4 et Xbox One. Donc, ils disent pas encore lesquelles consoles, mais ils disent que ça sera sur console en même temps que sur PC. Ça fait plaisir, en fin 2016. Et c'est confirmé par l'article que je vous mets dans la description. Et ça, ça fait vraiment, 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 vraiment plaisir. Donc voilà les amis, d'ici là, les prochaines informations, je pense qu'on les aura via cette conférence de presse et le 3, parce qu'à chaque fois ils font une annonce à le 3, et là à mon avis cette annonce risque d'être vraiment ouf vu comment Farming Simulator 15 a marché. Je pense que pour Farming Simulator 17 ils vont mettre des bouchées doubles et ça va vraiment être magnifique. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, petite vidéo mais vraiment un sujet très très important qui me tient énormément à cœur. D'ici là portez-vous bien, pensez à checker mes réseaux sociaux, regarder mes autres vidéos et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde. Là il est vénère, là il est vénère. Jetez vos lances. Jetez vos lances. Ah, il m'a gros.